Silence et tais-toi. Si personne n'écoute, ne parle pas. Silence et tais-toi. Le monde ne tourne pas qu'autour de toi. Je me retrouve seule dans ma bulle et les attentes des proches me brûlent. Cette impression que tout change lentement, mais que personne ne remarque mon changement. Cette sensation de ne plus rien ressentir alors qu'autour de moi la vie semble parfaite. Obligé de faire semblant de sourire quand tout part en vrille dans ma tête. Quand les autres me regardent comme une attardée mentale, la tristesse me gagne et ses coups me sont fatals. Quand mes peurs font face à mes angoisses, personne pour faire taire ces voix et leur arrogance qui me glace. Meilleur ami ou pire ennemi de moi-même. Face à nos démons, on ne sait plus comment briser ces chaînes qui nous retiennent. Regarde bien comment ils me regardent et ils ne font rien. Pourtant, au fond, j'ai besoin d'aide, besoin d'un soutien. Peut-être que la mort libère, que cela donné n'est pas une faiblesse. Mon cœur a besoin de courage comme d'un prétexte. Mes pensées tournent en rond et chacune d'entre elles me blesse. Du jour au lendemain, ne plus rien ressentir, non, plus rien. Perdre goût à la vie et ne plus pouvoir s'attacher à quelqu'un. Ils disent que la guérison vient de nous et de nos proches, alors si rien ne vient en finir avec ma vie ne serait pas vraiment atroce. Le mal chuchote à mon oreille dans le noir. Il me dit de marcher droit dans ce sombre couloir. Je suis à bout, j'arrive tout au bout, je suis déjà si loin de vous. Pourtant, moi, il y a comme un fil qui me retient. J'entends une voix, parmi toutes les autres, je la distingue encore, parfois. Est-ce celle de ma conscience ou celle d'un ange gardien? Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où elle vient ni à qui elle appartient. Son écho me parvient de si loin. Cette voix qui me dit, qui me répète, que le temps apaise toutes les peines, même les plus grandes. Que je dois poursuivre la quête malgré la douleur qui m'étrangle, qu'il doit bien exister quelque part sur la planète, quelqu'un pour m'entendre, quelqu'un sur le chemin, une personne pour me comprendre, pour me tendre la main, pour m'apprendre à retrouver le sourire de l'enfance, même s'ils m'ont volé l'innocence, et espérer demain, et me relever enfin, une personne pour m'apprendre à danser avec le vent, à rejoindre les vivants définitivement et espérer demain et me relever enfin.
Manque d'appétit, manque de sommeil, solitude, pensées suicidaires, ce sont certains des symptômes des maladies mentales. La dépression, tout comme les autres maladies mentales, entrave notre quotidien et apporte des difficultés au niveau social, familial et professionnel. Mental health is as important as physical health. Just because we don't see it, it doesn't mean it's not real. The first step towards helping someone who's struggling with mental health issues is by starting a conversation. If you know someone who's going through a hard time, reach out to them. If you are feeling this way, try talking to somebody in your circle. Break the silence. Brisez le silence.